qui est en forme. Déjà, ma big up même qui prend du temps pour regarder vidéo ça. Et là, ma va mettre que c'est un message que nous lançons à tout le monde qui est toujours à supporter des filles, tout le monde qui fait partie de Défi Nation, depuis les Vat Play, mon cap sur moi à travers les réseaux sociaux. Et ça me croise dans la rue. Et pour nous dire que rendez-vous en 2018 là, l'arrivé, ce moment ça, je dis assez sur samedi de parler avec nous sur le projet qui a venu. Et avant tout, je vais vous présenter parce que je suis que il y a quelques monde qui peut vous connaître, qui peut regarder des vidéos ça. Et vous même tout qui est déjà connu, rappelons ça que moi-même c'est défi pour être volté, on rappelle. Et Jean-Guy Micladia, c'est un petit mec qui sort de Cité Castro, en Delma 33, Castro City Clan. Et il fait partie d'un collectif qui est rappeur, slammer, et pour être volté, qui prend naissance dans la fin de l'année 2014 pour entrer dans l'année 2015. Et pour être volté, il est sorti dans une collaboration, bien, nous mettons ensemble, c'était moi et ma tête d'Alex, qui était dans Piro, qui était sur Piro à l'époque. Il était fait pour être volté ensemble, mais il était proposé un projet, il était une idée, il était participé avec lui. Nous faisons pour être volté, nous venons ramener l'autre rappeur avec nous, par exemple, il y a deux pour JM, Kenny First, deux nègres. C'est comme Wellborn qui sort de Cité Castro, même genre avec. Et il y a un MCM, un HD Symphony, tout. Les HD Symphony parlent de Slammer, Chelo, Slamuel, et Maestro James Kirby et tout ça. Et nous sortons, c'est fin l'année 2014, j'aime tout là. Et nous entamons une belle aventure, mais qui peut être pas des complications dans la route là, parce que nous connaissons comme ça. Et ça, autant que je vois, on a toujours commencé ensemble, mais au final, où tu viens tourner les grecs et chaque fait chimer par eux. Et c'est ça qui t'a arrivé pour être volté avec l'arrivée, c'était en juin 2017. En juin 2017, côté Bio, t'as pas quitté le collectif là. À cause, il était bien quelques problèmes sur côté production et c'était avec directement parce que j'étais doué bien bon dans l'idée côté artistique pour sortir un projet. Il était des accords sur ce projet. Bon. Et bien après, il t'a pas quitté le collectif là. Et pas même au mois après ça, Dalux. T'as quitté le collectif là encore, bien que c'est lui qui était à la base, lui, au fond de la veine, mais t'as quitté le collectif là. Dans le moment, nous n'étions pas à un mauvais moment et nous t'es risqué de camper le collectif là parce que grand pile d'autres bagailles qui viennent passer après. Moi, dans le moment tout, et venir de problèmes avec studio nous et que Philippe était obligé de faire un Dream Record parce qu'il avait des soucis économiques. Et moi-même, t'es compté. L'ouvert en seuil de production, on s'en carré mon label, qui c'est Evasion Music et Philippe. On t'a parlé ça à Philippe et Philippe était très d'accord. Et à nous deux, nous repartis pour nous camper Evasion Music. Côté, nous t'es campé avec Wellborn Studio qui c'est Dynasty Records et puis qui fait partie Evasion Music. Donc nous, il y a un paquet d'autres artistes, rappeurs que nous, bien avec nous, on a travaillé ensemble pour nous produire. Nous avons deux lecteurs couleurs d'AMP. Donc c'est un grand frère, c'est mentor et nous l'avons encore. Nous avons deux jeunes, tant que Tafa, tant que Dadji. Nous avons notre rappeur pour être bon alors qu'il est pour être volté, qui vient être nous 5 rappeurs environ, mais nous avons deux rappeurs tout en cours des îles que nous parlons avec eux, de l'électro et puis nous faisons Evasion Music. Nous avons notre producteur, nous avons Infinite Beats, nous avons Mini B, nous avons Soma Konen qui est avec nous. Donc pour notre avancée, et puis nous avons avancé. Et pour nous arriver dans le rendez-vous de 2018, là, et nous connaissons qu'en 2016, Défi était sorti Reval Plim. En 2017, nous avons sorti Balouri, mon EP. Et rendez-vous 2018 là, ça ne vient pas le jour d'hier, qui est vraiment important, c'est que l'album Défi pour être révolté, que nous connaissons ce titre là, c'est Chronique en Ghetto, volume 1, l'autre Bobarrière, qui a sorti date là, c'est 1er juin 2018, nous avons sorti son album qui a totalement produit par Philippe, et c'est Philippe qui a produit totalité l'album là, et c'est avec étiquette Evasion Music, en collaboration avec Point Révolté, avec Dynasty Records. Côté album, nous avons sorti, nous avons sorti un jeu qui a venu. Nous avons besoin de plus d'informations sur l'album. Pour ça, nous sommes connectés avec Défi ou bien ça intéresse ou bien connectés avec Défi à travers les réseaux sociaux. C'est Défi pour être révolté pour toutes. Et pour nous sortir l'album, ça a tout Défi toujours bien. L'idée parle, il toujours bien. Valeur parle que nous voulons préserver. Et c'est un album côté n'a pas sorti, n'a pas fait ça. Nous, bon, il y a des gens qui relèvent ça à risque, mais nous-mêmes, c'est challenge, nous battons nous. Et n'a pas sorti l'album, nous pas passé dans aucun média. N'a pas sorti l'album sans média, totalement sans média, qu'une télé, qu'une radio, qu'une média écrit. Donc, on est obligé de connecter à Défi, c'est à travers les réseaux sociaux avec côté tout bas, il a commencé à. Dans la rue. C'est un album n'a pas fait sans sponsor, n'a pas fait
sans médias, sans tout bagage, que nous-mêmes avec musique nous, et puis avec moyen nous gagner que nous fait album là, c'est une décision que défi prend par rapport à quelques divergences que nous avons médias que nous pas. Nous pas trop senti l'ambiance là et staff nous pas trop senti l'ambiance dans tout, nous pas aimé et ça a prôné comme valeur, nous pas aimé et façon de juger musique. Donc nous décidons de faire ça et ça ou même nous pas prétendre que nous arrivons plus loin, ça ou même ou bien nous pas prétendre que et nous pas bien forcé, nous pas là du tout, mais c'est seulement que nous voulons créer par nous en dehors du système, totalement en dehors du système là. Donc nous faisons bien nous, à propre système par nous et c'est dans l'idée ça, nous sortir. Mais pour nous être clair avec tête nous, pour nous être honnête avec tête nous conscients que moyen ou mess pas vraiment des moyens et pas vraiment et nous pas vraiment des opportunités ou des avantages pour nous faire ça. Je ne t'avais pas fait à tout. C'est ça que fait défi pour être révolté avec staff et avec Evasion Music. N'a pas invité ou même qui a regardé des vidéos ça, ou même qui dit tout qu'on soit à deux en défi, ou même qui dit tout même musique, ou même rap, ou même qui dit tout que ou bataille, ou même qui dit tout vous supporter artiste la caille. N'a pas invité ou pour participer dans la réalisation album là. Et participer dans la réalisation album là veut dire que ou capable d'écrire des défis ou prendre contact à des défis et ou participer, les capable c'est un conseil. Les capables c'est un support n'importe quel lien, tout ça tout le capable c'est support financier ou même tout ou capable participer à la réalisation de l'album ça. Et je pense que la première étape que nous mettons au service ou même pour participer à la réalisation de l'album ça, il y a ça nous allons faire comme si il y a deux maillots spéciales nous allons faire pour nous même qui veulent participer à la réalisation du projet. C'est un maillot qui a dédicacé, totalement dédicacé, côté défi avec les souliers et avec les paroles qu'il partage. Lui-même, à coup même, c'est un maillot qui a payé dans le prix 1000 gouttes. Donc, automatiquement, que vous payez maillot à 1000 gouttes, achetez non seulement vous avez maillot, mais tout 1000 gouttes qu'on est au Bali pour participer à la réalisation de l'album. Parce que je ne rappelle pas ça, son album n'a fait indépendamment de tout le bagage. Nous avons un sponsor, nous pas trop aller à sponsor, nous pas trop aimer autour, bien que nous connaissons pas aimer autour. Donc, bon, c'est ça, lui. C'est un échange pour faire, donc on est capable de participer avec des filles. Je vais vous donner rendez-vous, c'est pour le 1er juin 2018. C'est Chronique en Ghetto Youth, volume 1, l'autre Boba Réa, album Défi pour être révolté. Ou même qui t'écoute Reva Flame, ou t'écoute Balorien, mais ou t'es senti que la musique ça allait aller dans le sens où, ou bien ou t'es adhéré à ça, Défi a dit dans la musique, là, moi, invite au vin. Continuez ça, gars, vous venez continuer l'histoire, parce que c'est Chronique en Ghetto Youth qui est sous Castro, Chronique pour être révolté.